Bah coucou, alors pour notre deuxième nuit à Grand Teton, on est à Colter Bay. Regardez, petit voisin là-bas qui court. Donc on est à Colter Bay, donc on est au nord du parc de Grand Teton. Hier on était à Gros-Ventre, donc complètement au sud. Donc voilà, vite fait notre emplacement. Donc pour le van, pour Teddy, ben il est là, au bord de la boucle. Et sinon on a un emplacement géant. Donc si on avait des tentes, ben, ce serait bien pratique. Donc voilà, c'est immense, ça va de là. Là, on a installé notre petit coin. Tchuss Marjo. Bien. On a encore de la place là. Le coin pour faire le feu. Encore tout ça de place. Donc il y a comme à chaque fois la table et le banc en dur. Mais bon, on a ça qui avec le van, c'est plus confortable, c'est plus sympa. Et puis donc, bah, comme toujours dans le secteur. L'armoire pour les ours, enfin anti-ours, où normalement on met tous les produits dedans. Mais comme nous on met tout dans Teddy, ben on n'a pas besoin d'utiliser l'armoire anti-ours. Voilà, donc le camping est pas mal. Les douches, il n'y a pas de douche à l'intérieur du camping. Il faut aller dans le petit village de. Enfin, le petit village. Dans le centre de Colter Bay, il y a une épicerie, un magasin de souvenirs, il y a donc les machines à laver, les douches. Les douches, bah, elles sont payantes, c'est 5 $ la douche. Le temps, il est illimité, mais bon, il demande de ne pas prendre plus de 15 minutes. Donc voilà, 5 $ la douche, c'est pas donné, mais bon, il faut bien après de grosses journées comme ça. Et voilà, donc on est là pour 2 nuits. Et voilà, et ben tchuss!